Oh. Surprise! Mais à quoi tu joues? Bébé, j'ai une faim de loup. Ouais, eh bien... Dévore-moi, si tu veux. Bouge. Comment je suis censé manger ici? Je pensais qu'on pourrait... Écoute bien, tu n'as plus 25 ans, ok? Tu cuisines, tu fais le ménage et tu regardes cette fichue au bras. Compris? Allez, va-t'en. Ok. Déguste tes satanés ribs avec ta maudite sauce barbecue. Qu'est-ce qui te prend? Rien. Je suis en train de nettoyer et je dois être au top pour garder ce fichu au bras. Eh ben, que dirais-tu de nettoyer la table? On t'a jamais appris à ranger après toi? Vous êtes dégoûtant. Hé, hey, maman. Tu parles de nous? Oui, de toi, pervers. D'accord. T'as besoin de te détendre, maman? Je suis pas tendue. Je déteste juste voir les gens se comporter comme des animaux. Des animaux? Oui. Tu le sais? Ça se voit que t'as envie de goûter à ça. Quelqu'un t'a fait croire que ta vie était finie, mais c'est pas vrai. Viens me voir quand tu veux. Qu'est-ce qui me prend? Il y a une minute, mon mari m'a dit que je ne servais à rien à part cuisiner. Et maintenant, ce mec mignon m'excite. Mon corps est en feu. Je devrais me contrôler. Lâche-moi. Dites-moi, vous êtes sûr que vos légumes sont sans nitrate? Quoi? Les nitrates peuvent causer des réactions allergiques sur la peau. Alors peut-être que... Tu veux que ta peau soit parfaite pour les bisous? Non, je veux m'empoisonner. Et ne plus jamais te voir. Madame, vous allez commander quelque chose? Ou on va rester planté là jusqu'en 2024? Donne-nous deux gâteaux aux fraises avec de la crème en plus. Quoi? De la bouffe sans goût, sans couleur, ni odeur. La bouffe saine prolonge la vie. Pourquoi tu gâches mon repas? Pourquoi la prolonger, si c'est ennuyeux? Ok, j'ai compris. Je suis ennuyeuse, alors... Oh non! Désolée. Pas toi! La vie que tu mènes, la bouffe que tu manges. Ah, vraiment. La prochaine fois, je commanderai des pâtes multicolores. Ferme les yeux. Quoi? Détends-toi. Non. S'il te plaît, fais-moi confiance. Ouvre la bouche. Quoi? Sens la fraîcheur de la baie. Maintenant, fais glisser tes lèvres. Et goûte la douceur de la crème. Pour la première fois, les fraises m'ont semblé si douces. Soudain, les yeux fermés, mes sens ont explosé. Tu crois vraiment que tu vas me traîner dans ton lit avec tes fruits et tes trucs vulgaires? L'addition. Où est mon dîner? Ouvre la bouche. Pourquoi? Ouvre-la. Qu'est-ce que tu ressens? J'ai de la crème sur ma moustache. C'est ça. Et ma femme est devenue cinglée. «
J'essayais juste. Ça suffit. Tu te fous de moi? Qu'est-ce qui te prend? T'essaies de retrouver les sensations de ta jeunesse? Je veux dire, t'es plus une gamine. Peu importe les manigances que t'essaies de faire. Où tu vas? Boulot de nuit. Mais tu travailles en journée, normalement. Ouais, j'ai réussi à me faire muter au boulot de nuit pour que... pour qu'on soit pas obligé de dormir ensemble pendant un moment. Il s'est passé quelque chose avec moi. Il me suppliait de sortir avec lui. Il y avait plein de mecs qui me couraient après. T'as des yeux incroyables. Tes cheveux. J'ai tellement envie d'embrasser tes lèvres. Est-ce que tout ça est vraiment terminé? Peut-être que c'est le champagne qui m'est monté à la tête. Ou peut-être que j'ai réalisé que je n'avais plus rien à attendre. Donc j'ai décidé de plonger dans le grand bain. Une dernière fois. Bonsoir. Bonsoir. Je suis la voisine. J'apporte juste des fraises. Qui est là? Et attends une minute, ma belle. Okay. Non, désolée, je voulais juste te dire merci pour la super recette. Bye. Hé, attends. Je sais pourquoi tu es venue. T'es si belle, tu m'entends? Reviens dans une heure, je serai dispo d'ici là. Comment peux-tu... C'est comme ça. Même les vieux ne te veulent plus. Alors pour les jeunes, tu n'es pas une priorité. Je voulais me saouler, tout oublier. Tout. Ici même. Quoi? Mon mari embrassait passionnément une jeune fille en plein milieu d'un bar? C'est pour ça qu'il a pris un boulot de nuit? T'es un abruti. Alors mon horloge tourne. C'est ce qu'on va voir. Désolée, chérie. Je dois... Allô? Allô, mon amour? T'es où? Oh, au boulot. Pourquoi tu m'appelles? Je suis venue te voir et j'ai ramené un ragoût pour me faire pardonner. Mais je sais pas où tu es. Je... reste où tu es, hein. Je suis sortie pour quelques minutes. Je reviens tout de suite. Chérie, je dois y aller. Tu vas où? Ils sont tous cons. T'inquiète pas. Il a même pas payé les verres. Je sais. Serveur, donnez-moi deux martini pornstar pour la dame et un pour moi aussi. T'es vraiment à la page. Ouais. J'ai vu ça sur le compte Instagram. Chris, Jenner, c'est ça? Tu veux dire Kylie? 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 Oui. Jenner? Kylie Jenner! Ok, oh, wow! Merci. Alors, à la tienne, ma belle. Santé. À tous les hommes qui respectent les femmes. D'ailleurs, il respecte pas du tout sa femme. Ouais. Et je couche avec lui depuis 2 ans. Ouais, je sais. S'il ne m'avait pas autant comblée... Je l'aurais déjà quitté depuis longtemps. Après ça, j'ai réalisé que je ne voulais pas perdre une seconde de ma vie en plus. Chérie, quitte-le. Quoi? Oui, t'as qu'une vie à vivre. Et le temps passe vite.
Quoi? Ouais, tu dois tout essayer. Ah. Quitte-le, car je vais le quitter aussi. Oh, attends, qui va payer les cocktails? Il t'a dit de revenir dans une heure? Maman? Allez, dégage. Mon compte à rebours tourne depuis trop longtemps maintenant. Elle est folle! Hé, hey, t'es vraiment impatiente. Oui, et si belle. Séduisante. Je suis une femme, tu sais. S'il te plaît, donne-moi ce sentiment. Bonjour, voisin. Bonne nuit. Merci, chérie. Les coups de mon mari sur la porte du voisin se sont vite calmés. Contrairement à la passion entre lui et moi. C'était l'homme le plus doux que j'ai jamais rencontré. Je me suis sentie à nouveau vivante. Ne bouge pas. Qu'est-ce que tu fais? Je veux mémoriser ce moment. Tu dessines toutes tes amantes? Je n'ai qu'un seul amour. Toi. Les autres sont des modèles. Quoi? Je suis un artiste. Réveille-toi. J'ai regardé autour de moi. Partout, il y avait des corps de femmes, peints avec tant d'amour, de tendresse et de plaisir. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! J'ai cru que t'étais comme Casanova. Sérieusement, j'ai pensé que t'étais comme Casanova. Je te trouve incroyablement belle. Et j'aimerais que tu restes avec moi. Mais tu ne penses pas que le temps joue contre nous? Je ferai en sorte que le temps ne nous échappe jamais. Celui que je craignais m'a offert une nouvelle vie. Le plus important, c'est de ne pas ignorer les signes de l'amour. Mon nom est Julia, et c'est ainsi que j'ai découvert mon amour véritable.